le hasard du calendrier. Bien que nous disions que le hasard n'existe pas, nous. Ouais. C'est le Mauloud, le Maulid. Et ça, le Maulid al-Nabawi. Et Noël. Et c'est quoi Noël? C'est le Maulid al-Nabawi aussi. Ouais. Le Maulid al-Nabawi du prophète Mohammed alayhi salam et le Maulid al-Nabawi du prophète Isa alayhi salatu wassalam. Ouais. Vous aimeriez alors, parce qu'on en a suré. Nous, ça ne nous intéresse pas, ça ne regarde pas le Maulid, puisque le Maulid, c'est une bid'a, c'est une innovation. Oui, effectivement, c'est une innovation, mais ce n'est pas la problématique. C'est facile de dire que c'est une bid'a, puisque effectivement, le prophète, alayhi salatu wassalam, de son vivant, il n'a pas exprimé, comme vous le pensez, son anniversaire. Parce que Hana, quand on parle d'anniversaire, vous savez, on a des représentations très culturelles. Alors, quand on est franco-français, c'est un gâteau avec 12 bougies, 30 bougies, c'est ça? Ouais, c'est la fête. Ouais. Et quand on est issu d'un pays arabo-musulman où le Maulid existe, c'est quoi? C'est des rencontres où les gens boivent, mangent, récitent des poèmes, c'est ça? Et parfois même commettre des actes condamnés hein, par la religion. On va rester dans le juste milieu, d'accord? Toutes les bid'as ne sont pas blâmables. Et tout ce qui n'existait pas au temps du prophète et que nous avons inventé, que nous créons, ouais, n'est pas forcément quelque chose de mauvais, de nocif, d'anti-religieux. La bid'a, l'innovation que la religion condamne, c'est dans le rituel, l'ibadat, et qui va en contradiction justement avec les fondements de l'ibadat. L'anniversaire ne fait pas partie de l'ibadat, ça fait partie de l'mu'amalat, des choses de la vie, de tous les jours, des us et des coutumes. Si on y trouve un intérêt, pourquoi pas? On peut fêter l'anniversaire du prophète, alayhi salatu wassalam. On peut fêter l'anniversaire de Omar ibn al-Khattab. Ouais. On peut fêter l'anniversaire de qui d'autre, vous voulez? De l'imam Abu Hanifa. Ouais. Tous les mois, on fête un anniversaire. Comme ça, durant l'année, on aura 12 événements, ouais, 12 occasions pour parler de qui? Ben pour parler de nos stars, non? Vrai ou faux? Subhanallah. Les chrétiens, ils ont un calendrier. Chaque jour, c'est fait référence à qui, hein? Un saint, c'est ça. Hein, aujourd'hui, on est la saint... La saint quoi? Saint Djibril? Naham. Gabriel. Gabriel. Aujourd'hui, c'est la sainte Gabriel. Peut-être. Que Dieu te bénisse. Ouais. Nous, il faudrait, en tant qu'association, en tant que mosquée, en tant que centre culturel qui voulons éduquer, ouais, passer un message, créer des événements autour de quoi? Autour de personnages. Pourquoi? Bah, pour pouvoir construire, ouais, une certaine culture. Ouais. On n'a pas de culture musulmane. Prenez nos enfants, dites-leur qui est Ibn al-Haytham. Ils ne savent pas. Demandez-leur un peu qui est Abbas ibn Firnas. Ils ne connaissent pas. Dites-leur qui est Saif al-Din Qutuz. Ils ne connaissent pas. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y a pas de moment durant l'année fort où nous allons créer un événement, vous l'appelez comme vous voulez, anniversaire ou autre, c'est pas ça le problème. Allez dans le fond, restez pas sur la surface. Créez cet événement pour passer le message. Il y a l'événement. Comment?
Ouais. Chaque semaine, il y a un événement qui s'appelle Jumu'ah, mais la plupart des imams ne parlent pas français. Donc les jeunes, même s'ils viennent à la mosquée, ils s'endorment puisque l'imam parle en chinois. Et même si l'imam parlait en français, je suis désolé mon frère, puisque ça m'étonnerait que l'imam dans la khutbah nous fasse un prêche autour de Abbas ibn Firnas. Parce que peut-être que lui-même, il ne sait pas qui est-ce. Et il n'en voit pas l'utilité. Puisque peut-être que certains imams pensent et croient que la thématique de la khutbah doit être purement, comme il dit, spirituelle. C'est ça, rituel. On doit parler du paradis, de l'enfer, de la prière et des ablutions. Mettre dedans de l'histoire, dans la Jumu'ah, de la politique, de l'économie, de la géographie, ou de l'écologie. Ouais. Je ne sais pas connaître ce que les parents ne connaissent pas. Il faut d'abord que les parents connaissent. Pour que les enfants. Donc, comment voulez-vous que des parents transmettent aux enfants alors qu'eux-mêmes ils ne savent pas? Mais c'est justement pour ça que nous devons, dans la mosquée, créer des événements pour pallier. Pour pallier à quoi? À la carence des parents, à la carence de certains imams. Ouais, une fois par mois, un samedi soir. Ouais. Peut-être en changeant la formule, parce que le Jumu'ah, bon, entre nous, hein, si t'as pas un bon orateur, si c'est pas bien préparé, c'est ennuyant, c'est fastidieux. Puis ça va durer combien de Jumu'ah? Un quart d'heure, 20 minutes. Après, tu te sauves, tu vas au travail. Et comme tu l'as très bien dit, nos enfants ne viennent pas le Jumu'ah, ils ont l'école. Donc il faudrait plutôt, ouais, faire un programme annuel, ouais, une fois par mois, une soirée à la mosquée avec une thématique. Par exemple, demain, samedi, c'est l'anniversaire de la naissance ou de la mort de Saif Din Qutuz. Je dis n'importe quoi. Et on va faire une soirée Saif Din Qutuz. Voilà. Une intervention des enfants qui, une semaine avant, vont nous faire des dessins. On fait un quiz. Je ne sais pas, il y a plein d'activités à faire pour qu'à minuit, quand on quitte la mosquée, tous ceux qui étaient présents ressortent avec des connaissances, avec des références historiques, c'est ça. Et puis quelque part, une attache, ouais, à une civilisation, à des personnages marquants de cette civilisation. Et notre jeunesse va grandir et ils auront pour star, hein, qui ça, hein, des personnes à la hauteur et non pas des chanteurs de rap qui les égarent. Certains chanteurs de rap, bien entendu, hein, il y a des bons rappeurs, certains joueurs de foot, certains acteurs de cinéma ou tout simplement certains délinquants dans leur quartier qui sont des commerçants, de ce que vous savez. Donc il faut, ouais, il faut réveiller les consciences. En fait, il faut faire ce que le Coran dit. Wadhakkirhum bi ayyamillah. Allez, le 25 décembre, ouais, cette année, c'est le jour où le prophète est né. C'est ça? Dites-moi, est-ce que c'est un jour important? La naissance du prophète. Le jour où le prophète est né, est-ce que c'était un jour important? Pour certains, c'est bedassé, mais c'est grave. Vous êtes d'accord que c'est un jour important? Non, c'est le jour le plus important qui n'ait jamais existé. Oui ou non? Très bien. Dieu dit dans le Coran, rappelez aux gens les jours importants, ayyamullah, les jours de Dieu, c'est-à-dire les jours où Dieu a exprimé sa sagesse, sa miséricorde à travers eux, la naissance du prophète, la mort de Pharaon, non? Le jour où Pharaon est mort, est-ce que c'était un jour important? Le jour de ça, pourquoi? Bah parce que le mal, ouais, le mal a mal fini, c'est ça? Et Moussa et les enfants d'Israël ont été sauvés. C'est un jour important, oui ou non? C'était tellement important que le prophète a jeûné ce jour-là pour remercier Allah. Ouais? Je sais ce que vous allez me dire. Ah ben nous aussi, le jour où le prophète est né, il suffit de jeûner. Parce que le prophète a jeûné le jour où il est né. Quand on lui dit prophète, pourquoi tu jeûnes les jeudis?
pardon, les lundis. Pourquoi tu jeûnes le lundi? Il a dit, c'est le jour où je suis. Hadith dans Sahih Muslim. Vous avez entendu, hein? Prophète, pourquoi tu jeûnes? Il a dit, c'est le jour où je suis né. Donc vous avez bien vu que le prophète, la notion d'anniversaire existait chez lui. Tous les lundis, pour lui, c'était quoi? C'était un rappel et remercier Dieu, ouais, de l'avoir mis au monde et d'être le sauveur, la miséricorde. Donc il jeûnait. Allez, à nous. De quoi? De nous rappeler ces jours-là et d'exprimer notre reconnaissance, ouais, à travers le jeûne ou d'autres expressions. Vous n'allez quand même pas demander à vos enfants, je ne sais pas moi, à l'âge de 6 ans, 7 ans, de jeûner en permanence parce que le prophète est né le lundi. Mais vous pouvez, une fois par mois, une fois dans l'année, je ne sais pas, la récurrence, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous ayons un projet, des activités pour atteindre des objectifs nobles. Et tant que le moyen n'est pas interdit, il est autorisé. Car la règle, ce n'est pas d'interdire ce que le prophète n'a pas fait, mais c'est d'autoriser ce que le prophète a interdit. Ça, c'est haram. Mais ce que le prophète n'a pas fait, si on le fait, c'est pas haram. Parce que c'est restreindre le champ de liberté que de dire, si le prophète et les compagnons n'ont pas fait quelque chose, on ne doit pas le faire. Mais on n'est pas clair. Et d'ailleurs, si vous pensez comme ça, vous allez à contre-pied de l'évolution, de la modernité, de l'adaptation. Parce que il y a 70 ans, il y a 80 ans, hein, quand les baffes, le micro, ouais, commencent à s'installer dans le monde musulman, et que certains musulmans veulent quoi? Veulent équiper les mosquées d'une sono. Est-ce que vous savez qu'il y a des savants musulmans qui se sont opposés en disant c'est haram? Fatwa. C'est haram d'installer une sono dans la mosquée. Pas de baffe, pas de micro. Ça vous choque ou ça vous choque pas? C'est choquant? Ah, dites-moi que c'est pas choquant. Qui oserait dire c'est pas choquant? C'est choquant. C'est pas choquant. Qui? C'est choquant quand même que des savants arrivent à interdire quoi? Le micro, les baffes. Vous savez pourquoi ils l'interdisent? Regardez l'argument. Ça n'existait pas au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez vu votre argument, comment il est dangereux? Ouais. Votre argument mène à des aberrations. Mais d'ailleurs, dans votre vie au quotidien, vous n'y croyez pas, cet argumentaire religieux. Ouais. Et moi, je me souviens, dans les années 80, quand l'islam commence à gagner les cœurs et les esprits, et que certains imams ou savants tournaient dans le peu de mosquées qu'il y avait, et qui nous disaient, écoutez bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne pratiquaient pas du tout la religion comme nous aujourd'hui. Et ils ne vivaient pas comme nous aujourd'hui. Le prophète mangeait par terre. Le prophète dormait par terre. Et certains sincères qui veulent, parce qu'ils aiment la religion, ils aiment Dieu et le prophète, mettre en pratique ce qu'ils entendent, ben, sont rentrés chez eux et ils ont viré tout ce qui dépasse 3-4 cm du sol. Bon, ils ont quand même gardé le matelas, 15 cm. Bien que le prophète n'avait pas de matelas, c'était juste un morceau de tissu qu'il mettait par terre, une pseudo-couverture. Ils ont viré les tables, ils ont viré les chaises, ils ont viré le lit. Vous savez, le lit, le sommier, ils l'ont viré. Tout ça, dehors.
Je ne vous parle même pas de la télé, ça c'est évident. En fait, ne regardez pas la télé. Donc, si vous partez du principe que ce que le prophète ne faisait pas, ce qui n'existait pas au temps du prophète, c'est blâmable, vous n'êtes pas clair. Maintenant, écoutez bien. Lorsque certains savants vous disent le maoulid, l'anniversaire du prophète, c'est une bida, et ils vous disent parce que pendant l'anniversaire du prophète, on y fait ceci, on y dit cela, ben sachez que ce qu'ils disent, c'est acceptable. C'est évident que si vous fêtez cet événement et pendant l'événement vous faites des choses qui sont interdites, parce que vous faites haram. Mais si vous fêtez l'événement et tout ce que vous dites et ce que vous faites pendant l'événement est correct, ben c'est pas haram. Logique ou pas logique? Logique. Et oui. Et c'est l'avis de la majorité des savants musulmans de tout temps, depuis toujours. C'est l'avis, écoutez bien, de la majorité. Pour ceux qui aiment la majorité, la minorité. Et même si ce n'était pas l'avis de la majorité, c'est un avis qui est fondé intellectuellement, religieusement, et c'est le bon sens, et c'est utile, et c'est nécessaire pour nous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. On s'arrête ici pour accomplir la prière de l'Aïcha. Un plaisir de vous retrouver une autre fois. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.